Salut à tous, c'est DJ Flo. Donc nous voilà vite fait pour une petite présentation qui est de la manette Burn sur PS3. Donc c'est la manette Caméléon de chez Burn Controller. Donc comme vous pouvez voir, il y a les deux boutons à l'arrière qui permettent de faire les clics joystick qui sont là. Les gâchettes de précision qui sont bien sûr en supplément. Et sinon nous pouvons voir rapidement la couleur caméléon qui est vert violet qui fait un design assez sympa. Autre précision, c'est que on peut remarquer c'est une manette originale Sony, donc en fait ils ont juste remis la peinture, donc je sais pas si on va réussir à voir. Ouais, on va avoir du mal à voir, mais on arrive à voir le Sony si on s'y prend bien. Voilà. Là, on arrive à voir un O, mais voilà. Donc en gros, cette configuration pour avoir exactement la même manette avec les joysticks violets, les gâchettes de précision et les touches arrière ainsi que les LED bleues, il faut avoir exactement tout ceci. Donc en amélioration technique, il y a les Burn Paddle Spider XXL. Les burn paddle configuration qui sont normales, les triggers de précision purple avec la vibration normale, le câble normal, le bouton d'iPad full black, le stick purple et les LED bleues, donc ce qui fait que la pochette qui est aussi ici. Donc la pochette de protection, ça permet de protéger la manette. Voilà, c'est simple. Et comme ça, vous pouvez ranger la manette sans problème et l'emmener partout sans l'abîmer. Par contre, si jamais bien. Voilà. Comme ça. C'est plus pratique avec deux mains. Et donc voilà, donc c'était une petite vidéo test de ces manettes là, et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.